hey, yeah, 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 hey. Parti de rien, j'aimerais tout faire. Plus lent que toi, mais j'suis tout frêle. J'prends pas les coups, frère, j'm'en bats les couilles d'ailleurs, pourquoi t'écoutes? Bonjour Seb, est-ce que ça te dit de sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude, de tomber à 200 km/h en chute libre, et en même temps, de faire un freestyle? Alors, évidemment, j'ai répondu jamais de la vie. On me relance, on me réexplique, etc. Alors, et je leur explique tout simplement que je n'ai jamais sauté d'un avion, je ne connais même pas la sensation, ça me paraît impossible. Et en plus, faut faire un freestyle, que ce soit ok, faut faire ça tout seul, c'est beaucoup de choses en fait que vous me demandez là, ça paraît fou. Alors, c'est un peu ce côté impossible, moi qui m'a un peu fait kiffer en mode Et donc du coup j'ai fait une contre-proposition et je leur ai dit: écoutez, très bien, je veux bien réfléchir à une éventualité de potentiellement essayer d'accepter, voilà, disons que j'étais un peu vague, si et seulement si je fais déjà un saut en tandem. Du coup j'ai testé. Yes, mon gars. J'ai bien aimé, sensation de fou, truc à faire dans sa vie, tu vois. Ça fait partie de la bucket list où je me disais un jour je ferai ça, tu vois. Je pensais pas que ça allait être si rapidement et de cette manière-là. Parce que j'aime pas me faire avoir, pour être sûr que j'ai vraiment bien aimé et que c'était pas un coup de chance, j'ai enchaîné. 20 minutes après, j'étais dans un deuxième avion et j'ai re-sauté encore. Et puis là, je me dis, ok, je crois que j'ai bien aimé pour de vrai. Bon, j'ai bien aimé, c'est bon signe. Maintenant, t'es en tandem, quoi. C'est-à-dire que t'as pas grand-chose à penser. Juste être attaché. Voilà, j'étais là en mode ok, je vois ce que c'est de tomber. Mais dans le pitch de base, c'est je saute tout seul. Et vous savez quoi, je me dis, let's go, viens, on y va. Viens, je découvre ça. Parce que si j'arrive à faire ça, comme on l'entend, comme c'est écrit, comme la promesse, c'est un truc de fou. Et je savais qu'en acceptant ce truc-là, que la prochaine fois que j'allais monter dans un avion, c'est pour sauter seul. Donc j'étais pas non plus giga serein. Pour maximiser mon entraînement avant d'aller faire ce stage, avant de sauter pour la première fois, etc., ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé faire des séances en soufflerie pour pouvoir simuler la sensation de chute libre et pour pouvoir apprivoiser un petit peu les déplacements dans l'air. On va aller vers l'avant. Ouais, c'est ça. Ok. On va appuyer sur le but. Et en fait, ce mouvement-là te fait avancer. Droite, gauche, haut, bas, rotation, pivot. J'ai passé ce qu'on appelle le niveau 1. C'est-à-dire se déplacer sur le ventre, dans l'air. J'ai juste pas validé le dos. Ça, c'est l'état de mon dos après une séance. Ça s'apprend, c'est comme tout. D'ailleurs, je fais un petit big up à Gabriel qui m'a coaché. Bah, merci beaucoup. Tu vas voir que ça m'a beaucoup aidé. Bref, me voilà embarqué dans, encore une fois, l'une des expériences les plus folles de ma vie. Et la prochaine étape, c'est le concret. Il est temps de passer la PAC. C'est le diplôme que tu passes pour devenir autonome dans le ciel. Je suis allé à Chalon-sur-Saône, du côté de Lyon, chez Parachutisme 71, qui m'ont accompagné tout le long de ce projet. Et c'est une équipe de fous, franchement, je les adore. Je vous présente Pierre. C'est le mec qui m'a coaché, qui m'a tout appris. Je lui dois tout ça. En fait, il a plus de 20 000 sauts, c'est vraiment genre le parachutiste confirmé. Et 1 mètre par seconde, c'est 4 km/h. Donc quand on chute à 200 km/h, ça veut dire qu'on chute à 50 mètres par seconde. Le premier jour, c'est la théorie. C'est très précis, c'est l'une des disciplines avec le plus de rigueur que j'ai pu voir dans ma vie. Rien n'est laissé au hasard et rien ne doit l'être. Parce que pour rappel, l'enjeu, quand même, c'est vivre. Ok, donc ça, ça va ouvrir le conteneur. Ouais. Et la voile va pouvoir sortir du pod. Harnais, extracteur, élévateur, voile principale, voile de réserve, le glisseur, les suspentes, les commandes, le système 3 anneaux. Bref, beaucoup de choses pour mon petit cerveau, j'avais l'impression de retourner un petit peu à l'école. Bizarrement, quand le but c'est pas mourir, t'es un petit peu plus attentif que dans certains cours. Et j'apprends donc le matériel, les positions, la fonction de chaque élément, l'altimètre, comment se repérer dans le ciel, les différents circuits selon d'où vient le vent. Bah oui, le vent ça bouge. Comment se déplacer en chute libre, comment se déplacer sous voile, les différentes commandes, le pliage. Énormément d'informations. Ok, ok. C'est beaucoup de choses quand même, hein. Ouais, c'est beaucoup d'infos d'un coup. Mais Non, tranquille. Comment tu peux savoir d'où vient le vent? Bah, moi. Comment? Je vais dire. Alors, ça, non? Il y a un chapitre que j'ai pas beaucoup aimé, mais qui est, je pense, le plus important. Les incidents. 99% des incidents et des blessures, c'est des fautes humaines. Okay, okay. C'est pas... Oh, j'ai tout bien fait, c'est le parachute caméra, ça existe pas. Ça, on t'apprend tous les incidents possibles et quoi faire en conséquence. Si à 200 mètres t'as pas ouvert et que ça te saute la vie, c'est vraiment que t'as fait des conneries. Du genre, tiens, et ça, imagine ça marche pas, tu fais quoi? Bonne question. Tout
t'es stressant dans cette discipline, d'accord? Pour avoir ma licence de parachutisme, j'ai signé un petit papier qui dit en gros, si je meurs, c'est ma faute. C'est tous ces mini trucs en fait ce qui fait que moi j'étais stressé. Et puis si jamais je te passe un peu au-dessus et je m'accroche dans ton cône de suspension, mais qu'on s'est pas percuté, on n'est pas assommé, mais si on est attaché, enfin emmêlé, avec les deux bords d'attaque, il y en a un qui va vers un côté et l'autre vers l'autre, ben les deux vitesses s'annulent, ça tombe. Ah ouais. Ah ouais. Tu libères ta voile principale avec une poignée, tac, d'un côté, t'ouvres un parachute de secours sur l'autre, et voilà, généralement dans à peu près 99% des problèmes, faut que tu fasses ça, quoi. Et si là ça suffit pas, bah c'est à ce moment-là que tu pries, quoi. Ok. Donc présentation du matériel, ça ouais. On l'a fait, fonctionnement, équipement. Ah, on n'a pas vu comment on ramasse le parachute, je te montrerai ouais. Demain. À la fin, t'as un mini-examen à l'écrit et tout pour valider tout ça. Maintenant, il va falloir pratiquer. Petit stress, un peu. Je vois, là, t'as un stress. Un petit peu. Je suis en mode, ah ouais, ok. C'est concret. La prochaine fois que je suis sur le sol, c'est en passant par là. Non. Non, mais regarde, il fait beau et tout. Les conditions sont bien pour apprendre. C'était beaucoup de blabla pour introduire tout ça et tout, mais j'avais envie aussi que vous ayez l'empathie de vous dire, mais comment j'ai vécu ça? Bref. L'heure du premier saut arrive. Là, tu sais, c'est le petit stress caca. Tu connais? Qu'est-ce que je fais? Le premier, c'est presque le plus dur. Non, c'est le plus dur. Ah, je sais pas. Si, ouais, j'étais trop mal. Tu te demandes si finalement c'est une bonne idée. T'as un espèce de shoot d'adrénaline comme j'ai rarement eu. C'est cool à vivre, hein. Sur le moment, pas trop. Mais quand tu l'as fait et que tu prends du recul sur ce truc-là, c'est kiffant, tu vois. Oh là 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 là. C'est haut, hein. Et t'es tellement content quand tu l'as fait. Quand ma voile s'est ouverte et que c'était bien, j'étais là en mode waouh. Il y avait des rafales devant et tout, j'étais là en mode Dans l'avion, j'étais pas bien. Okay, quand je me suis sur le bord, j'étais là en mode mais. Et c'est quand le départ? Et là, je les vois. Et je suis là en mode c'est moi qui donne le départ ça en plus. Toujours servir, c'est et je suis allé. Donc ça merde. Sur le premier saut, t'es avec deux moniteurs et après, on passe à un seul moniteur. C'est cool, non, je suis confiant, je suis très content. Et ben on est dans le deuxième. Let's go. Là, je rentre dans le truc, tu vois. J'ai pris plus le temps de ressentir ce qui se passe vraiment et je suis content parce que la progression, je la vois quasi instant, tu vois. Incroyable. Deuxième saut, c'est comment? Ah, le deuxième, il est encore mieux. Ah ouais? Bah, le deuxième. Oh. En fait, tu prends plus le temps d'être maître de ce que tu fais, de tes gestes, de tout ça. Là, apparemment, sur les 50 secondes, j'ai vraiment volé 40 seuls, tu vois. Je suis content parce que c'est de plus en plus fluide. J'étais méga fier de moi. Tu sais, il y a un truc de... Je sais qu'en ce moment, je suis en train de me surpasser. Je vais faire encore mieux. Et la journée n'est pas finie. C'est que le deuxième saut. Cette fois-ci, l'exercice, c'est de sortir en faisant des saltos pour me faire perdre un peu l'équilibre, la notion de où on est, pour pouvoir apprendre à toujours me restabiliser bien. Comme si c'était pas déjà stressant. De fou. Pendant que je faisais les saletés, on me les yeux fermés, j'étais là en mode 1, 2, 3, je roule, je fais what? La terre, je suis là. Et en vrai, dans ma tête, c'est un truc de fou parce que le matin même, je sautais pour la première fois, j'étais méga stressé et que le même jour, je me sens vraiment à l'aise. Je suis là en mode ok, c'est cool, je prends de l'aisance, je prends confiance. Voilà, bravo, bien. Merci, bonsoir, ça tue. Trop bien, avancé, trop content. Tu as la soufflerie tant que c'est pas gagné. Ah, tu penses? Là, t'es à l'aise, t'as volé tout seul 40 secondes. Mmh. Si t'avais pas fait de soufflerie, Ouais, y a juste le temps de il y aurait encore plus de stress, peut-être tu serais décambré, pas d'appui-jambes. Ok. Quand c'est la première fois de ta vie que tu fais ça, et qu'en une journée t'as déjà rentré tout ça, t'es content, t'as passé une bonne journée. Là, on va enchaîner, on va tryhard parce que on est là pour un projet où on est encore loin du compte. Seb, c'est bien, je te laisse faire, continue. Allez, jusqu'au bout.
Eh bah ouais. Il y a des jours avec, des jours sans. Genre tu vois là, 8h du matin, est-ce qu'on le ressent que j'étais pas prêt? Et à partir de mon cinquième saut, franchement je suis déjà pas mal à l'aise. Même ce saut-là, il a de la gueule, tu vois. Genre, j'ai progressé hyper rapidement, mais c'est grâce aux entraînements, attention de soufflerie, etc. C'est pas toujours comme ça. Et même quand je revois l'image, je me dis, c'était que mon cinquième saut, mais je pourrais jamais refaire un truc comme ça. On saute encore, encore et encore jusqu'à 7 sauts, et j'obtiens mon diplôme. Là, j'ai officiellement ma paque. Ouais. Je suis paxé. Donc là, voilà, paxé. Je l'ai rentré le salto arrière. Mais non. Je l'ai rentré. Carré, propre, précis. J'étais là en mode, allez, c'est le moment. Diplôme de la PAC. Vas-y, bah, je suis chaud, bah, bien. Bah, allez, let's go. Ouais, bah, vas-y, hein, écoute. Merci, Seb. Seb. Ouais, bah, c'est pas mieux quand on rentre. Ouais. Ouais. Il a dit oui. À partir de ce moment-là, c'est bon, j'ai ma licence, j'ai un carnet de saut, et me voilà, un nouveau-né parachutiste. Du coup, ça, c'était la première étape dans la 8e étape de ce projet, qui était juste remplir un peu la fonction du « tu peux sauter seul ?» Oui, je peux le faire. Pour rappel, il va falloir que je saute avec un timing très précis, du son dans les oreilles, un retour radio, ma voix dans les oreilles. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, A, E, I, O, U, 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 pas trop loin. Y. Que je rappe, que ce soit audible, que ça soit pas mal. Ça va être chose, que moi je l'entends. Je l'entends dans mon casque. Toi, tu l'entends, toi. Donc à partir du moment où je l'entends moi, le micro va l'entendre. Tac au tac. Ouais, ouais, complexe hein. Complexe. C'est comme si tu rappes à l'aveugle en fait. L'aveugle, c'est l'aveugle de la voix, tu vois. J'entends pas à quel point je suis juste ou à quel point c'est pertinent ou pas. Et ça arrive souvent de pas l'être. Je m'entends bien. Ouais, bon là on a pas mis, on a mais s'il s'entend bien, c'est déjà bien parce que... Déjà je m'entends. Ouais, c'est pas... Il y a le vent, quoi, quand même. Hein. Quand je vois le résultat du truc et la complexité que c'était à faire, on a même failli jamais le rentrer, en fait. Ça a failli être des jours et des jours jetés dans rien. Du coup, on a fait évidemment des mini-tests, on a testé différents micros, différentes installations. Ouais, les trois derniers jours, c'était à peu près convaincant. Tout le reste, c'était... En performance... Musical, j'ai rarement entendu plus éclaté que ça. Et parce que en fait je chute à 200 km/h, putain de merde. C'est pas un studio, hein, c'est un casque. Donc oui, ça va être nul, mais faut que ce soit nul, mais pas éclaté. Et que sur certains tests, t'entends juste. On a fait sur place un edit de l'instrumental. On avait calculé un espèce de temps de délai où après j'ai le temps de sauter pour que quand j'arrive. Le beat part au moment où je suis bien, tu vois. T'ouvres à peu près ton parachute à 1500 mètres, et c'est l'équivalent de 50 secondes, parce que, bah voilà, tu peux pas ouvrir plus bas. Plus le temps passait, plus je me disais, mais c'est pas parce que c'est cool que ça a été jamais fait, c'est parce que c'est trop chiant, en fait. Au total, j'ai fait 16 ou 17 sauts, mais on a jeté 95% des sauts. C'est qu'en fait, chaque saut est un ajustement, que tu peux faire 4 sauts par jour, pas plus, tu vois. Donc, chaque ajustement te coûte un saut, te coûte du temps, t'es sujet à la météo. On a dû perdre 6 sauts juste à cause de la météo. Je disais, le ciel il est si noir, ils ont sauté là. Un nuage comme ça. Là on le voit pas mais ça fait une forme d'enclume comme ça. Ça s'il est fort le nuage il t'aspire. On avait une raid de je sais pas combien de kilos sur la tête de Pierre. Et on s'est rabattu sur la GoPro parce que bah, on n'avait pas les focales qu'il nous fallait. C'est pas grave, la GoPro ça reste jolie. Et ça appuie le côté plus performance. J'en serais peut-être fait trop clip que le truc soit en raid qualité bête d'image, tu vois. Enfin, je me suis plan là, sur le garage. Tu gardes bien l'avion longtemps. Là j'ai un peu galère. Ouais, là... Alors pourquoi trop... Bah je vais pas du tout récupérer ouais, la tête haute. Ouais, t'as pas récupéré la tête là, t'es à chercher le sol comme ça. Et du coup ça te fait décambrer et t'as tes réflexes de terrien à pédaler. De terrien, là t'es un oiseau, ok. Je dois rapper. Et tu sais, c'est un espèce de truc où t'aimes jouer de l'attitude et tout. La seule attitude que je pouvais avoir, c'était ça. Parce qu'en fait, si je bouge ma main pour faire ça, je vrille, en fait. Il faut que je vous parle de mon premier saut performance. C'est-à-dire celui où tout est en place. C'est mieux. Il y a toute une centrale avec... studio, là, dans, okay. Dans le... Test sur ça. Sous la combinaison de un, deux, test, un, deux. Je vais faire le test de ça aussi. Je vais être très honnête, là,
Je vous parle de la plus grosse gestion de stress que j'ai eu à avoir de ma vie. C'est que j'avais l'impression que quelqu'un arrivait avec une pile comme ça d'informations et qui me disait « Tiens, t'as une minute pour tout ranger. » Et j'étais là en mode « Ça, je mets où ça? Ce coin du cerveau, ça, ce truc-là. Faut que je pense, l'altimètre, le machin, le bordel, nan. » Pas oublier les paroles, retomber au bon moment. Par rapport à la lumière, toujours être un peu tourné vers le soleil. Le cadreur, toujours avoir une connaissance. La tête toujours haute. Que ma position soit belle. Gérer l'altitude, ouvrir la voile au bon moment. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait. Parce que là, comme c'était le premier avec tout l'appareillage, gros, c'est la catastrophe, entre guillemets, parce que t'avais tout à penser et à dire, ok, étape 1, 2, 3, 4. Non, je sais. Là, déjà, ça y est. J'ai besoin de débrief chaque truc qui était pas bon. C'est pas pour râler, c'est pour moi, ça me fait du bien. Ça, je garde pas un truc où je me disais, attends, c'était bien ou c'était pas bien. Et surtout qu'à 4000, bah, t'es en hauteur, moi j'avais la tête qui tournait, mais t'es dans un casque, Vincent, t'as chaud, on a coupé les trucs de respiration. Ça m'a pas aidé dans ma concentration. Franchement, là, je remonte dans un avion avec la même installation et je dois refaire le même exercice. C'est aussi compliqué. Après, c'était le premier vrai saut, les machins, toutes les équipes, allez, let's go, machin, nanan. J'active le son, le truc, je saute, je fais mon saut, boum, j'arrive à atterrir, machin, j'en sens la prod. Je pars, ça kick et tout, je suis en mode automatique. Je sais même pas ce que je raconte, je suis pas d'âme, tu vois. Je fais qu'un saut lent, je n'ai aucune peine. Je n'ai aucune peine, toi, ton équipe perd. Je te réponds pas, même pas occupé. Et le truc, il rentre. C'est impressionnant comme j'ai pas le temps de me concentrer sur ce que je dis. Ouais. Donc moi, j'étais juste en automatique. J'ai genre l'intention, elle doit être, si tu l'isoles et que tu prends que ça, je pense que c'est un peu drôle. mais il y a un truc, tu vois. Mais écoute, la sortie elle est bien, l'ouverture elle est bien, avec la combarde je suis à l'aise, au-dessus c'est bien. Toutes les contraintes, le bruit, le stress, le truc, il a bien géré puis après il s'est lancé pour son freestyle en fait. L'idée c'est qu'on fait le freestyle d'un bloc, puis après on voit ce qu'on doit corriger et tout. Mais... Il a géré. Ah, il a géré, je veux dire, pas beaucoup de sauts comme ça. Faut gérer, chapeau. Et après autant de préparation, se rendre compte que tout ce qu'on fait depuis le début, c'est possible. On n'était pas rassurés. On se disait, on se trompe complètement. Et ce n'est pas possible. Et ça va être trop dégueu, tu vois. Et de se rendre compte qu'on peut, c'est fou. C'est mon dormi que j'ai plus de sœur. Je me réveille enfin les poings serrés. Moi, des victoires, j'en vois qu'une seule. Je veux décider, on sur la CB. En fait, avec les bacs, les trucs et tout, un peu mix. Avec les bacs, c'est passé, bah ouais. Bravo à tous. Regarde, on croit que tout se passe bien, mais là, moi, c'est le regard du j'ai envie de crever. Je voulais mourir. Bah alors, on est hyper content parce que ça marche quoi. Entre l'enregistrement dans le casque, il fonctionne. On avait déjà testé bien évidemment auparavant, mais avec une autre personne. Donc là, il y a le timbre de Seb et surtout il y a le flow quoi. Il est bon, il chante pas faux. Faut quand même imaginer qu'il a son retour dans les oreilles. Avec à 200 km/h, donc et en plus il s'entend à moitié chanter, enfin c'est compliqué quoi. Donc voilà, il a 6 pistes dans les oreilles et il doit gérer, mais il a super bien assuré. Franchement, moi je suis scotché quoi. À 8 sauts faire ça, personne n'a jamais fait ça, c'est impossible, c'est tellement technique. Donc voilà, champion. On a réussi à la rentrée, il faut évidemment le perfectionner, mais ça marche putain, on est les premiers au monde à avoir fait ce truc là. Du coup, la dernière étape c'est de perfectionner chaque saut. Sauf que dans le processus dans lequel on était dans l'idée de faire un plan séquence, en plus de la performance de tout ce qu'on tente de faire depuis le début. C'est plus se challenger là, c'est juste être complètement con. En termes de labial c'est solide, j'ai essayé de mettre de l'attitude, des machins, je suis moins concentré sur ma voix, j'étais plus sur le visu. Donc c'est cool pour l'image. Tu vois, il disait que tu souriais en l'air et tout. Ouais, je souriais, j'étais là en mode nanana, je vous baisse. Ça c'est top. Regarde, là ça va, mais. Non, mais moi je préfère l'effet grand angle avec les bras un peu plus longs, tu vois. Ah ouais? Ouais, je trouve ça classe. Eh, ça sort pas du cadre quand même. Hein. Non, t'as bien géré. Ah, chapeau. Pas d'hésiter à monter, c'est clair. On prend la vitesse, c'est clair, putain, que j'en prends la vitesse. Tu vois, un truc comme ça, c'est le son, il partira tout seul. Ouais, le truc c'est que j'aimais bien la violence de l'ouverture dans ta voix quoi. C'est un délire de faire ça. C'est hyper drôle. C'est n'importe quoi. Si ça reste bleu là. De rapper en tombant comme ça. Je trouve ça un délire de fou. Si ça reste bleu cet après-midi là, faut que t'envoies de la figure qu'on arrive à les matcher quoi. Fort. Si on arrive à matcher les deux, on est parfait quoi. Ça va, elle est parfaite. Hein. Ouais, elle est en master là-bas. Le sourire et tout. Ah, mais c'est même pas chiant mec. D'accord. Parce que tout le reste. On pensait que c'était chiant d'avoir 5 secondes après, mais ça marche. Non, c'est pour ça, on va rajouter de la figure et tout si on voit que ça peut. Parce que là, on est en séquence quoi. Ouais, là, on a zéro. Ouais, mais c'est trop séquence, bien. Ça, c'est bien. Mais en plan séquence, là-dessus, il y a le côté perf. Ah ouais, il y a le côté perf à mort. Parce qu'en fait, on peut pas demander non plus l'âne et le. Je sais pas l'expression. Le cochon. Non, mais. On peut pas demander l'âne et le cochon. C'est le 11ème. 12, c'est plus.
Donc en vrai, je peux pas non plus faire prendre la vitesse. Il nous reste genre 2 jours de tournage. On n'est pas sûr de la météo. Clairement, le plan séquence où je dois faire des saltos, machin nanin, continuer à réédite la prod. À un moment donné où je fais ça, 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 et à ce moment-là, je fais. Franchement, c'est impossible. Il nous reste 2 jours. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé un plan labial qu'on s'est dit. Celui-là, on essaie de rentrer le meilleur labial que je puisse avoir. Comme ça, on a la performance, on l'a rentré, on est venu pour ça, on l'a. Et on va travailler les figures dans un second temps. Et comme ça, pour la petite vidéo finale qu'on doit rendre, eh bah, on y intègre des figures à certains moments. Et plus elles sont jolies, mieux c'est. Et puis voilà, quoi, en fait, on est au gré aussi de la météo et de tout le reste. Donc on verra bien, tu vois. Du coup, dernier jour, on tente des figures qu'on essaie de rentrer. Donc les saltos, des machins, des... voilà, j'apprends. Des fois, ça marchait pas du tout. Et des fois, on a eu des coups de chance de fou. Genre là, quand je suis rentré dans un espèce de nuage, j'étais en train de chuter, je fais une dérive, là, en position Iron Man, et je vois que juste à côté, là, il y a un énorme nuage, et je me dis, let's go, je vais dans le nuage, ils sont en train de filmer, ça va être beau. Et ça, on l'a gardé au truc final, parce que c'est magnifique, tu vois. Tu rentres dans le nuage et tout, c'est tout blanc, ton casque qui devient tout mouillé. J'ai un peu stressé, c'était mon premier nuage. Mais l'image est trop belle et on se dit, et c'est comme ça qu'on a construit le truc en se disant, ok, ce truc là on le garde évidemment, bah vas-y, on essaie de faire de la figure, il y a du nuage, l'histoire d'être un peu raccord, que ça fasse pas trop bizarre, tu vois. Là on a rentré quelques saltos, quelques machins, avec ce qu'on pouvait, et ça fait la vidéo que vous avez, j'espère, vue. Cool comme expérience, non? Moi je trouve ça trop stylé. Dans le temps et dans ce qu'on a pu faire, dans ce qu'on a pu rentrer, le résultat est vachement cool. Après, évidemment, côté son, on a fait un passage en studio. Moi, je leur avais dit, on met les bacs, on met les ambiances, on habille tout ça, sinon c'est trop laid, quoi. Faut se rendre compte de l'idée farfelue que c'est, tu vois, genre, c'est normal. Le truc, c'est qu'avec le recul, nous, on a tourné ça en juillet. Je vois un autre mois où je me dis, mais je suis un malade mental, en fait. Et même tous les gens, en fait, qui m'entourent et tous les gens qui me proposent ce truc, vous êtes tous fous, en fait. Je me suis lancé dans un truc qui me paraissait réellement impossible. Parce que ça, il y a plein de projets où tu te dis, oui, en fait, t'es capable de certaines choses, mais tu te dis juste, tu vois la montagne qui t'attend, tu fais, waouh, mais là, c'est pas possible. Moi, ça me paraissait vraiment impossible. Bref, ça fera une petite histoire à raconter à mes petits-enfants plus tard, voilà, avec une belle morale. Tout ce projet-là, évidemment, c'était pour pouvoir annoncer ma mixtape qui s'appelle Crash Test, qui est disponible en précommande. C'est trop lourd, en fait, de faire ça de cette manière. C'est un peu le juste bon milieu entre YouTube et rap, tu vois, c'est les deux en même temps. Elle s'appelle Crash Test, comme ça là, comme ce qu'il y a sur le parachute, tu vois. Et donc du coup, si vous voulez me soutenir, bah, vous pouvez choper tout ça, je vous mets des liens. Le morceau du son en parachute qui s'appelle Prendre la vitesse est disponible en version studio, pas en version parachute cracra. Moi, j'ai hâte que vous découvriez le projet, ça va être très très lourd, on va bien s'amuser. Lâchez un like si vous aimez tout ça, si vous aimez les belles morales pour me soutenir pour tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite à tous, je sais pas, de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, et n'oubliez pas... Je veux toucher à tout sauf aux mineurs, ça me différencie des youtubeurs. Homme à tout faire sur le CV, je fais de la TV, je fais des CD, yeah. Faut tout baiser, c'est décidé, pas décédé avant d'essayer, yeah. Homme à tout faire sur le CV, je fais de la TV, je fais des CD, yeah. Faut tout baiser, c'est décidé, pas décédé avant d'essayer, yeah. Donc prendre la vitesse, fuck la vie des gens, prendre la vitesse. Être la vie des gens, ça paye pas. Sur la chance, ça t'aide pas. Donc...